La vidéoscopie, c'est notre moment préféré de la semaine, surtout quand il est question de bébés et de métissage. Alors vous allez dans quelques instants découvrir une voix qui peut-être ne vous est pas encore familière. Sans plus attendre... Il me faut un bébé métis comme ça. Il faut que le fils de quelqu'un se comporte bien et me donne une fille. Je veux un bébé métis. C'est trop mignon. Ces tweets vous choquent? C'est normal, car les personnes qui les ont écrits fétichisent les bébés métis. Hein? Alors, moi, je sens déjà au niveau du rythme, au niveau du montage, au niveau de l'écriture, car ces gens, contrairement à nous, ont un texte qu'ils lisent. Et puis soudain, ça arrive. Oh. Qu'ils récitent. Mais là, au rythme et au montage, je me dis que ça va être très, 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 très dense. Alors, qu'a-t-on à l'écran? Alors d'abord, ce qu'on a à l'écran, enfin ce que moi j'ai devant les yeux, c'est Arthur. Voilà, vous ne connaissez pas Arthur. Arthur est journaliste. On va t'appeler évidemment, comme tu le sais, Aurora pour aujourd'hui. Aurora, tu es français. Je suis français, ouais. Tu es journaliste. Évidemment, on ne dira pas pour qui, mais pour un gros organe papier français. Et tu es de passage à Rome. Et... Hebdo, on peut dire aussi, ouais. Ça ne me dérange pas. Oui, je suis de passage à Rome. Je suis amené souvent à venir ici, donc j'espère que ce ne sera, sera pas la dernière fois qu'on se verra et qu'il y aura d'autres occasions. The first, but not the last, ouais. Comme disait Cochet, imitant volontairement un très mauvais accent anglais. Alors Arthur, a priori, sans vouloir dévoiler un élément de ton complexe génétique, tu n'es pas très métissé. Non, je ne suis pas métissé, non. Je n'ai pas fait de test ADN, non. Mais a priori, ça se situe dans le nord de la France, voire de l'Europe. Quoi. Que signifie l'expression être blanc comme neige? Bah, c'est être... Pardon? C'est être pâle. Blanc comme neige, quand on dit t'es blanc comme neige. Moi, on me le dit pas. Non. D'accord, donc t'as pas confié une goutte de sang à Maï... Non, j'ai jamais fait ça, parce que chez moi, il n'y a pas vraiment de doute dans la famille, quoi. C'est du... D'accord. On nous dit germain, viking, quoi. Basta. Toi, on sait que ton père, c'est un cousin, ta mère, c'est une cousine. Exactement. C'est sûr. Nous n'avons donc qu'une source de métissage dans la pièce, ouais. c'est tonton Stéphane, parce que moi, ça tombe bien. Tu métisses, mélange de couleurs. Ramène-moi mon argent, c'est moi qui t'ai donné cet argent, ramène-les à moi, c'est tout, point barre. Les enfants métis, ben j'en ai été un. Et puis si vous aviez encore un doute, au montage, on vous montrera la photo. Voilà, c'est moi, c'est tonton Stéphane petit. Et moi, j'en aurais peut-être. Peut-être, oui, si tu choisis de t'accoupler avec une arrivante. Ouais. Alors, une intervenante dont le second plan tente à nous montrer qu'elle est relativement rotonde. Hein. Comme on aurait dit dans les années 80, il y a du monde au balcon. Ouh là là, ça peut blesser les gens, ça, madame, hein, quand même. Nous explique que nous devrions être choqués par la volonté de ce qu'elle appelle des gens, donc en fait qui ne sont que des femmes. On n'a jamais entendu un homme dire ou écrire « je veux un bébé métis ». Non, c'est toujours, c'est toujours une femme. Et donc, nous devrions être choqués. C'est des homosexuels. Puisque on a vu quand même... À peine arrivé, il s'embarque déjà sur le chemin glissant, pour ne pas dire le chemin boueux. Bon, je tiens quand même à préciser que je ne voudrais pas, par ces quelques plaisanteries, me mettre la communauté homosexuelle à dos. Bon, ça suffit. Bon, allez, on va couper ça, dans ce cas, et on va pas se risquer sur ce sujet. On coupe non, pas, mais... J'ai récemment vu une vidéo où on voit deux homosexuels qui se félicitent d'avoir un bébé dans leurs bras, qui correspond aux critères qu'ils avaient demandé dans leur commande. Tu veux dire que l'eugénisme serait revenu à la mode par l'entremise de la société marchande? C'est toi qui... Putain, j'arrive pas à y croire. Alors là, vraiment... Il me faut un bébé métis comme ça. Il faut que le fils de quelqu'un se comporte bien et me donne une fille. Et alors pourquoi le fils de quelqu'un? Déjà, il faudrait que le fixe de quelqu'un se comporte bien et me fasse un bébé métis. Elle veut un fils ou un petit-fils? Alors là, on montre un tweet où la personne est de teinte Pantone. La teinte Pantone, c'est sur un nuancier de couleurs. Une espèce de off-white un peu mexicaine qui s'appelle Maria, ce qui tend à accréditer l'hypothèse un peu de l'Amérique du Sud. Ouais. Donc on a une Maria... qui a peur que son enfant soit un peu trop filet de flétan, ouais. Hein, un peu comme les linguistes de la Ligue du LOL. Je
de contrôle ou en tout cas de normalisation de la langue, c'est plutôt un rôle politique aujourd'hui l'Académie française. Ils sont juste là pour... Ce qui est bien avec le mec, c'est qu'au niveau de la caméra, pour faire ta balance des blancs, tu peux régler sur lui. C'est-à-dire que le mec, il est plus blanc que le logo de Brut, plus blanc que le fond. Il est blanc absolu, quoi. C'est vraiment le flétan pur. Et donc, elle demande non pas un père, mais un fils. Il faut entendre les détails. Elle demande pas un père. Elle demande le fils de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la logique tribale où la famille, c'est pas, comme dit Todd, la famille nucléaire, c'est la famille d'un homme, constituée par un homme et une femme. La femme est la sœur d'un grand frère et le père est le fils d'un père. Donc en fait, c'est le patriarcat au carré, ah ouais. Aussi appelé le patriarcat. Je veux un bébé métis. C'est trop mignon. Ces tweets vous choquent ? C'est normal, car les personnes qui les ont écrits fétichisent les bébés métis. Hein ? Bah, moi, il y a quelque chose qui me choque, je sais pas toi, cher camarade Aurora, c'est que j'ai un défaut. Alors, j'en ai mille, évidemment, contrairement aux commentateurs qui, eux, sont tous parfaits et sont tous meilleurs que les gens qui le regardent. Hein, c'est pour ça qu'ils se permettent de critiquer. Mais j'en ai un en particulier... qui est que ben, quand je comprends pas un mot, je m'arrête. Je mets en pause et je réfléchis. Fétichiser les bébés métis. Pour moi, fétichiser a trois sens. Il y a un sens que j'exclus d'emblée, car je refuse de croire que ça puisse exister, qui est le sens du fétiche sexuel. Alors là, vraiment, non. On n'ira pas sur ce terrain-là. Je pense que non, il n'y a rien à gagner, il y a tout à perdre, et j'ai pas encore assez de fuck you money, donc on va considérer que ça n'existe pas. D'ailleurs, je vais te reseter mentalement, tu n'as rien vu, ça n'existe pas. Ensuite, il y a le fétiche au sens porte-bonheur. Patte de lapin, le club des cinq, on a un petit fétiche, le fer à cheval. Normalement, les gens qui... enfantes, les gens qui font des enfants, sauf quand ce sont des religieux pratiquants qui se tiennent éloignés de tout moyen de contraception. T'en connais pas, toi, Aurora. Bien sûr, t'en connais pas. Non. Donc, sauf quand ce sont des religieux pratiquants qui se retrouvent avec 16 gamins à 30 ans, normalement, tu fais un bébé par recherche d'une forme de bonheur, d'épanouissement. Donc, tu vois, sémantiquement, porte-chance, porte-bonheur, recherche du bonheur, je vois... un lien, mais ça me paraît un peu lointain. Et le dernier sens du mot fétiche, comme quoi la vidéoscopie, c'est pas forcément se mettre en opposition du sujet. Moi, je cherche à donner raison aux gens, et puis quand j'y arrive pas, je leur donne tort. Alors que l'ennemi me donne tort d'abord, même de se demander peut-être a-t-il raison sur un point, comme la célèbre désormais, enfin personne la connaissait, mais grâce à nous est devenue célèbre, Christine Bérou, hein, alias ceci est ma voix, ceci est mon sang. Répondre à la question que tout le monde se pose hein, depuis que je suis arrivée. Oui, tout à fait. C'est ma vraie voix. Trop, c'est trop. On peut pas vous aider. Oh. Tout à fait. C'est vrai. On l'a trop, c'est trop. Faut pas pleurer. C'est ma vraie voix. Non, non. Qui, à une vidéoscopie ultra détaillée et argumentée de 52 minutes, n'a eu qu'une réponse sur son compte Instagram, c'est un mascu. Voilà. Donc moi, j'essaie de donner raison à l'autre dans une forme, en philosophie, on appelle ça l'irénisme, c'est-à-dire la réunion des courants, le syncrétisme de dogmes qui, a priori, pourraient être opposés. Et je cherche à donner raison à Agi+, qui pourtant, si je ne m'abuse, est quand même une chaîne du Qatar. C'est le bras combiniesque d'une chaîne de Qataris, le Qatarien de base étant quand même le chantre du foutage de gueule et de la contradiction, parce qu'il nous faut une chaîne à la Combini pour promouvoir le progressisme, et toutes les marques qui, à la Coupe du Monde, rappelez-vous, au Qatar en 2022, se sont essayées au drapeau, au bandeau, au point levé, etc., se sont tous retrouvés menacés à l'arrivée à l'aéroport, et ils se sont tous couchés et ils ont retiré leur logo. Bref. Et le troisième sens du mot fétiche, ça veut dire idolâtrer. Je fétichise, ça veut dire que je vénère. Mais tous les parents sains d'esprit vénèrent leur enfant. Voilà.
Totalement. Pourquoi on vénérerait plus un métis qu'un autre? Oui, déjà, c'est déjà suspect, parce qu'en plus, il est d'emblée question des enfants métis, j'ai envie de dire, mais on a vu dans les pubs ou dans des programmes, la fétichisation, si on reprend leur terme, des petits enfants blancs aux yeux bleus, tu vois, dans les... Moi, j'ai grandi, effectivement, avec des publicités Kinder, ouais, où l'enfant était arien. Voilà. J'ai grandi avec des revues, des magazines, j'en ai encore plein là derrière moi, ouais, où effectivement les femmes sont quasiment toutes aryennes, les hommes sont bruns avec des moustaches. Mais avouons, pour tenter d'aller dans son sens, voilà, à cette jeune femme rotonde d'origine d'ailleurs, on ne sait pas, peut-être est-elle métissée elle-même, ouais, la résolution... Normalement, on devine l'ethnie des gens à leur peau. Hein. Ouais. Mais là, comme la résolution est faible, parce que la résolution est faible, du coup, ouais, on ne voit pas bien. Mais je serais pas étonné qu'elle soit un petit peu hispanisante, cette... Un peu marocain, sans marocain. Bah, bon, en même temps, l'histoire, ils se sont rencontrés, voilà, dans l'histoire, à un moment donné. Est-ce qu'il faut que ce soit un résidu de chorizo comme moi qui te l'explique, en fait, putain? Et d'ailleurs, il semblerait, si on en croit des témoignages récents de Lampedusa, que les peuples africains et arabes se soient également rencontrés de nouveau très récemment pour traverser la Méditerranée. Ah oui, effectivement. Et il semblerait que les affréteurs de bateaux, bon, bref. D'ailleurs, au passage aussi, je pense à ça rapidement, mais le mot métis même a complètement balayé tous les autres termes, mulâtre, béqué, etc. Mm. Et donc, eux, sous l'étiquette de métis, ils mettent tout. Hein. Donc on sait même un béqué, c'est pas un métis à la base. Un béqué, ah, si je ne m'abuse, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Non, c'est un blanc. Mais mulâtre, oui. Et puis je ne sais même plus les termes. Pour ça dire, dépend des langues. Les Asiatiques avec les Occidentaux, c'est un terme aussi. C'est pas métis. Ouais, les cosplayers, là. Ouais. Non, mais mulâtre, ça dépend des langues. En anglais, c'est tout à fait... on nous mettra à l'écran en anglais, je crois qu'on dit mulâteur, Amélie, un truc comme ça. Mulâtre. Mulatto. Mais bon, en français, effectivement, il y a eu une métissisation du vocabulaire, puisque vers les années, je l'ai déjà raconté à d'innombrables reprises, et je sais que mon copain Fred Delavier m'a pris l'anecdote, vers le milieu des années 90, grâce à la diffusion de la NBA sur Canal+, puis à la Coupe du Monde 98, Trezeguet, Henry, etc., il est tout à coup devenu cool d'afficher des shades of brown. Hein. Donc il y a des shades of grey, mais tout à coup on s'est rendu compte qu'avoir des shades of brown, c'était cool. Et j'ai même eu la confirmation d'autres métis de mon âge qui ont vécu, on va dire, leurs 10-15 premières années dans l'anonymat, et tout à coup on leur a dit c'est sexy, c'est cool, c'est machin, et on a tous pécho comme de manière plaisante. donc nous sommes passés d'une société, d'une publicité eugéniste à une injonction au métissage généralisé depuis le milieu des années, depuis la fin des années 90, on va dire, et le milieu des années 2000, hein, la fameuse France Black Blanc Beurre. Mais maintenant, Al Jazeera, par l'entremise par une hôtesse, hein, tu sais, comme disait quelqu'un au temps de sa jeunesse, l'aplatissement devant la logique marchande, la logique du contrat, la logique de l'empire, etc., vous sera toujours présenté par une hôtesse blondasse en mini-jupe ou avec un balcon à guichant. Là, on est plutôt côté balcon. Il va corriger les femmes qui seraient tombées dans le panneau de 30 ans de propagande. Tout d'abord, cette fétichisation de l'enfant métis se fonde sur l'instrumentalisation du corps de son parent noir, alors perçu comme un simple biais de reproduction. Le fait de ne considérer... Oula. Alors attends, là, t'as Denise du Cosby Show. Hein, on montrera, on montrera bien à l'écran. Vous savez à quel point je connais tout mon Cosby Show par cœur. Donc là, t'as une palichonne avec un boubou et des boucles d'oreilles de type nigérian. Hein. Hey, je ne voudrais surtout pas te vexer, mais ta peau a une drôle de couleur. Tu n'es pas malade au moins? Ou alors, c'est naturel. Si j'avais une peau pareille, j'aurais honte de sortir dans la rue. Tatouage et une boucle au nez, donc t'as une femme plus pâle que moi, ouais, qui s'habille négritude, qui, elle, hérite du titre de sociologue sans les guillemets, alors que quand ces médias rappellent mon diplôme de sociologue, moi j'ai toujours les guillemets. Donc t'as Denise du Cosby Show, qui accrédite, je ne sais plus comment on peut l'appeler l'autre là, du Mexique, ouais, dans l'idée que la volonté inconsciente de céder à l'injonction sociétale du métissage serait en fait l'objectification, le fait de rendre objet le corps du père.
Hein. Donc c'est un petit peu une espèce de néo-christianisme. C'est ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci est mon enfant. Le fait de ne considérer les hommes noirs que comme les potentiels géniteurs, ça interroge sur le niveau d'humanité qui est conféré à ces hommes-là. Une sexualisation du corps noir qui s'inscrit dans les rapports de domination historiques selon Solène Brun. Il y a une longue histoire d'animalisation des personnes noires, des tropes tout à fait coloniaux, et qui voilà, remonte assez loin dans l'histoire occidentale. C'est ce que Fania Noël... Je te vois nier de la tête, camarade... Alors en fait, ce qui me fait hérisser les poils, c'est qu'on n'est question là que du parent noir. Et à quel moment on comprend, on admet aussi qu'il y a un parent blanc pour faire un enfant métis. Et donc on peut dire que c'est aussi le parent noir qui fétichise la blanchitude du parent blanc et qui a aussi besoin de cette blancheur pour avoir un enfant qu'il fétichiserait. Pareil, l'homme était blanc, la femme est arrivée ici et ils se sont mariés pour qu'elle vienne. Et par contre, elle a décidé de faire un enfant, non pas parce qu'elle aimait l'homme, mais parce qu'elle voulait un enfant métis. Pourquoi c'est obligatoirement d'emblée le blanc qui est suspect de vouloir un enfant métis? Enfin, je sais pas. Est-ce que ça se tient? Oui, c'est le thème de la culpabilité immanente qui ne peut... être décerné, qui ne peut être reproché à ce qu'on appelle une minorité. Alors comme on estime, pour encore un peu, que les Noirs sont minoritaires, minorité ne saurait avoir tort. Donc en fait, si la minorité est choisie, c'est sans doute le dessein d'un blanc malfaisant. Mais moi, ce qui me gêne encore peut-être plus, c'est la réduction ad corpum ou ad corporem de l'homme du noir. La publicité met beaucoup plus en avant de couples où l'homme est l'allogène que de couples où c'est la femme. Complètement. Et ce qui d'ailleurs ne correspond pas encore à la société. Donc il y a déjà dans la pub et dans les médias et dans les films aussi, il y a déjà une espèce d'invitation à accepter le monde de demain. Quoi. Moi je ressens ça comme ça. Parce qu'on n'en est pas à ce niveau-là. Et quand tu vois, il y a eu une pub il n'y a pas longtemps sur des cambriolages pour des alarmes. Bien sûr. Vous êtes mal tombé. Il y a un noir. On est protégé. Et aux voleurs, on dit ciao, ciao. Un petit peu comme dans Arsène Lupin que j'ai vidéoscopé dans ma robe de chambre là en son temps, où le gros méchant était évidemment un sale blanc à moustache. Ouais. Et où le gentil était un immigré de Bondy. Hein. Ouais. Ah là, on est bien. Appelle l'objet corps. La personne noire est un objet corps qui apporte la partie ADN qui fait que l'enfant va être un peu bronzé et avoir des petits curly. Deux, le métissage. Alors, il y a une phrase de Roland Barthes que j'adore. J'aime pas tout Roland Barthes. Je trouve que son discours du sentiment amoureux, là, comment ça s'appelle, le fragment de discours amoureux, est parfois un peu redondant, un peu arithmétique, un peu analytique à mon goût. Néanmoins, il y a une phrase que j'adore qui est « Une figure de style survient toujours au moment d'un bris du discours ». Et là, la figure de style homme-objet ou corps-objet me gêne. D'abord, il faut se demander si l'association de deux mots est pertinente au sens où « et n'y a-t-il pas un mot qui suffise ?» Tu vois ? Sinon, ça s'appelle une figure de style et je vous avoue un truc. Je pourrais très bien faire semblant de le savoir. Je ne me souvenais plus comment on appelle. Et c'est ça l'honnêteté aussi, c'est d'avouer que parfois, on a un petit, tu vois, un petit cheat. Je pensais arriver dans les conditions du direct à me souvenir comment s'appelait cette figure de style. Eh ben, je m'en suis pas souvenu, donc tout à l'heure, j'ai triché, je suis allé voir, ça s'appelle un parataxe. Voilà. C'est deux mots qui, associés, t'exonèrent de la contradiction. Tu vois, c'est-à-dire que si je te dis « l'homme est un corps », tu vas me répondre « bah non ». Non, c'est un objet. Si je te dis « l'homme est un objet », tu vas me dire « bah non ». Par contre, si je te dis « corps-objet », là, t'es sidéré. Tu comprends ? T'es sidéré par la puissance de ma figure de style. Et j'enchaîne l'idée suivante et t'as pas eu le temps de réagir. Ouais. Sauf que moi, bon, la sidération, j'essaie d'éviter. Et donc, je m'interroge. Et je ne comprends pas en quoi ni l'homme serait un objet, ni il serait un corps, à moins de considérer que l'unique fonction objective du choix du partenaire serait celui de la descendance, ce qui à la limite est presque le modèle imposé par la PMA-GPA. C'est-à-dire que
par un process assez abstrait, on va arriver à, comme ça, comme certains couples homosexuels font, à identifier un géniteur, mais ça ne se produit quand même pas encore dans la vie, même si on sait que la rencontre, c'est un processus de discrimination. Sinon, on irait tous dans la rue dire, bah tiens, pour mes 50 prochaines années, je choisis lui. Non, on discrimine par d'abord par sexe, ensuite par âge, ensuite par physique pour les hommes et niveau culturel pour les, et niveau économique pour les femmes, ensuite par ci, ensuite par ça, et puis on élimine des centaines ou des millions de personnes pour arriver à celui avec qui on se dit bah, c'est le moins pire, et puis on va tenter de passer 50 ans avec. Mais là, tout ce processus de réduction arithmétique ne me semble pas expliqué par la parataxe du corps-objet. Voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Cher Ismène, ta figure de style convainc peut-être les simples d'esprit, mais pas Stéphane et Aurora. Le tissage n'est pas la fin du racisme. Être en couple avec une personne noire, avoir des enfants avec cette personne, what, ne va pas défaire les structures de domination. Mais attends, mais là c'est très important ce qu'elle est en train de dire. C'est peut-être, tu te rappelles la fameuse phrase d'Étienne Moujotte, on fait de la télé pour fondre, oui, les esprits. Bien sûr. Et on est peut-être en termes d'importance, en termes de symbole, on est peut-être à ce niveau de symbolique. Elle est en train de nous expliquer que lorsque tout le monde sera métissé et lorsque les sous-chiens, ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, aussi appelés les deux souches des cinq continents, auront abdiqué leur dernier chromosome et l'auront mélangé avec le pays ou le continent voisin, il y aura encore du racisme. Donc en fait, on n'en verra jamais le bout. Cette idée qu'on ne pourrait pas être raciste parce qu'on a un partenaire noir ou on a des enfants métis, c'est à peu près du même ordre que des hommes qui diraient « je ne peux pas être sexiste, j'ai une épouse et des filles ». Si on avait de l'attirance pour une personne, était une... En fait, ça c'est un discours anti-identitaire marié à des Congolais. C'est un discours anti-papacito et anti-ceux qui montreraient presque par la tête de leur descendance, qu'ils ne sont pas ce qu'on leur a reproché. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. C'est-à-dire, c'est un blanc-seing pour pouvoir excommunier quiconque en l'empêchant de se défendre. C'est-à-dire que même, il montrerait qu'il a fait le choix d'une personne halogène, eh bien, ça ne suffirait toujours pas. Bien sûr. C'est en fait une interdiction de te défendre des présupposés que l'on a sur toi. On peut presque deviner le discours qu'ils tiendront dans 10, 20, 30 ans aux enfants métis, qui seront devenus adultes, si jamais ils ont une préférence pour leur mère blanche, pour je ne sais quoi, pour sa culture, etc. Ils pourront déjà lui reprocher. Mais comment sais-tu qu'ils ont un parent de chaque couleur? Parce que qu'est-ce que l'enfant de deux métis? Bonne question. Moi, est-ce qu'il est métis? Dans ma tête, depuis tout à l'heure, il s'agit d'un homme noir avec une femme blanche. Ouais. Mais si moi, imaginons que ma femme soit métisse, ouais, c'est peut-être le cas. Ouais. T'en sais rien. Tu la connais pas. Je la connais pas. Mes enfants, dans ce cas-là, sont métis. Ouais, je pense. Mais métis, oui. À quel grade? Ah, c'est ça. Mais dis-moi un petit peu, il est noir. Noir, un peu blanc. Noir. Pas être sexiste, j'ai une épouse et des filles. Si on a de l'attirance pour une personne était une politique antiraciste, ça voudrait dire que l'époque esclavagiste était l'époque la plus antiraciste quand des centaines, des milliers d'esclavagistes hommes blancs procédaient à des viols répétés, constants, sur des personnes mises en esclavage. Mais si... Là, c'est lourd, là, on arrive dans le dur, là. Là, ça mériterait presque d'être dans le dictionnaire à côté du mot fallacieux. Ouais. Exemple. C'est créer une analogie entre une domestique montée à la hussarde entre deux douches façon DSK, ouais, et le choix de la mère de ses enfants. Pire encore. Mais on est d'accord. Oui. C'est l'analogie qu'elle a fait. Oui, complètement. Ouais. Niveler deux cas, deux anecdotes, ouais. Ouais. Qui sont le choix de la personne qui va incarner notre descendance et avec qui on va passer en théorie, bien, ouais, sûr, le reste de ses jours. Avec consentement, en plus. Enfin... Avec choix mutuel, attirance mutuelle, etc. Ouais. Et
des pratiques barbares ouais. de type esclavagiste oui, oui. et de type harem. Ici, on aime d'amour notre partenaire noir. Et dans une société dans laquelle on nous a fait croire que le problème du racisme, c'était la haine et que l'inverse de la haine, c'était l'amour. Et que du coup, bah, si on aime, on n'est pas raciste. La question n'est pas tellement celle de la haine que celle des inégalités, que celle de la domination, que celle... Mais tu sais qu'en parlant de haine... Tu sais que blanc sans le N, ça fait black. Oui. Parce que sans N, on est tous quoi? Eh ben on saura dans un instant. Tu sais depuis combien d'années Halloween n'était pas tombé un mardi, autrement dit un jour de vidéoscopie? Au moins 5 ans. Depuis 2018, jamais le 31 octobre n'était tombé un mardi. Ça tombe bien. Aujourd'hui, mardi 31 octobre, et uniquement aujourd'hui, c'est Halloween. Autrement dit, vous n'avez plus que quelques heures pour utiliser mon coupon 5 sur 5. Alors, qu'est-ce que le coupon 5 sur 5? Petit résumé. Vous le savez, c'est Halloween. Et à ce titre, je m'inquiète parce que je vois sur les réseaux des parents qui s'apprêtent à sortir le 31 avec leurs gosses pour aller réclamer des trucs chez les voisins. On est en 2023, vous sortez avec 5 gosses, vous en ramenez maximum 4 vivants. Moi, ça ne me va pas, parce qu'il faut quand même que vos gosses payent ma retraite. Donc moi, j'en veux 5 sur 5. Pour cela, tonton Stéphane a fourbi son offre Halloween. Alors d'abord, elle ne dure que le 31, et uniquement le 31, de minuit à minuit. Et l'offre, c'est 31% sur le séminaire parents et le séminaire enfants, les indispensables à transmettre à vos enfants. Les indispensables que vos parents auraient dû vous transmettre. Et non, ça n'est pas tout à fait la même chose. Pour le découvrir, je vous invite à lire la playlist des séminaires. Je vous invite également à lire les témoignages. Voilà, 31 octobre, 31%. Le coupon, c'est 5 sur 5. Le chiffre 5, S-U-R, et encore une fois, le chiffre 5. Bref, ça s'arrête à minuit. Vous n'avez plus que quelques heures. À vous de jouer pour Halloween 2023. Que c'est elle, des rapports de pouvoir dans la société. On peut dire, oh, mais le métissage, c'est l'avenir. Parce que s'il y a du métissage, il n'y a pas de racisme. Ça permet de dire, mais en fait, il n'y a pas besoin de politique. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va ? Alors, j'ai l'impression que les discours ont été rédigés par une intelligence artificielle. Ah oui. Et qui sont lus par des speakerines. Complètement. Donc si tout le monde est métissé, donc en fait si l'agenda mondialiste oui, exactement. Est arrivé à créer l'aboutissement du consommateur cosmopolite, ouais. alors on n'aurait plus, on a toujours besoin... Ah, j'ai compris. Donc ouais. alors, ça n'est pas pour autant que l'on pourra s'exonérer du prochain projet mondialiste. Donc c'est, il faut rester ouvert à une politique... assimilationniste, dont on n'a pas encore les contours. C'est ce que je te disais, ils préparent déjà le discours. C'est le coup d'après. Voilà. On est trop lent, on a un coup de retard. Le désir de métissage était finalement une forme de racisme. Oui, je sais, certains vont hurler. Trois. Voilà, d'ailleurs, elle l'admet elle-même. Certains vont hurler. En fait, c'est déjà pour dire oui, en gros, vous allez réagir mal et parce que vous comprenez rien. Et voilà, elle est déjà en train de. D'accord. Donc, si tu refuses de te métisser, ouais. t'es un raciste. Voilà, je suis un raciste. Si tu te métisses, je suis quand même un raciste. T'es quand même un raciste. En fait, c'est pile... Pile, tu gagnes, ouais, voilà. face, tu perds. Métissage contrôlé. La valorisation du métissage s'adosse très souvent à une dévalorisation particulière, une détestation des personnes noires foncées, et l'idée que finalement, quand même, le noir ne serait beau que lorsqu'il est mélangé à du blanc. Ce qui nous a... Oh, mais ça, c'est l'argument éternel qui en fait omet totalement de rappeler que, premièrement, le critère de beauté universel, c'est une personne à la peau claire, et que deux, et ça en est la conséquence, plus le pays est foncé, plus sa consommation de crème blanchissante est élevée. Et en fait, tu vas dans les cartes, même dans les quartiers, si vous ne voulez pas aller vérifier au Bénin ou je ne sais où, le romantisme de l'Afrique. Ouais, ouais. Maintenant, si vous voulez voir l'Afrique, vous allez à Barbès-Rochechouart. C'est pas la peine de faire un long voyage. Vous avez l'Afrique sur place. Vous allez à Château d'Eau à Paris, vous allez en vitrine d'un coiffeur, il n'y a que des produits blanchissants. Et vous voyez ces doudous avec des peaux cramées par les produits, avec des taches, avec de l'eczéma, mais etc. Ça, on te dira que c'est l'injonction de la société et que c'est raciste. C'est-à-dire que c'est pas leur faute s'ils font ça, s'ils essaient de blanchir leur peau. C'est parce que la société, leur patron, machin, leur dicte. Oui, et puis c'est la société qui, c'est la société qui repasse les seins des jeunes filles également. Voilà, c'est pas du tout leur mère et leur tante. Il y a eu un témoignage très touchant. J'ai fait une vidéo scopée, mais je me suis dit que je n'avais finalement rien à voir là-dedans et que rien à y apporter. Ouais. Sur un média plutôt, comme d'habitude, bienveillant.
d'une femme noire qui doit être députée, je crois, mmh. ou secrétaire d'État, et qui témoignait qu'elle avait subi ces pratiques de sa mère et de ses tantes en Afrique. Hein. Au tout début de mon adolescence, je devais avoir 11 ans, ma maman elle n'était plus au Cameroun avec nous. On vivait avec ma grand-mère. Un matin, j'étais en train de dormir sur les coups de 4h, 5h. Ma grand-mère est venue me réveiller aux aurores et m'a emmenée dans l'arrière-cuisine. Elle me dit « allonge-toi par terre ». Je fais « pourquoi je m'allongerai par terre ?» Elle fait « allonge-toi par terre, c'est pour ton bien, c'est pour t'aider ». Et je vois des mamans beaucoup plus corpulentes que moi à l'époque. Elles commencent à me tenir par terre, me retenir par terre pour pas que je bouge. Et là, il y a donc la petite sœur de ma grand-mère qui enroule la pierre. Après, elle avait retiré au feu puisqu'elle avait laissé chauffer dans le charbon à dents. Et ben, elle s'approchait, elle se mettait avec des pressions à faire des massages vraiment tout autour de la glande de ma mère. Quoi. Mais évidemment, d'une manière ou d'une autre, chère Aurora, ça sera de ta faute. Ce qui nous amène à notre quatrième point, le problème du colorisme, qui fait peser une pression... Ah, moi, je connaissais le colonialisme, mais je connaissais pas le colorisme. Voilà. Je connaissais le coloriage. Ça vient de sortir. À pas confondre. Hein. Ouais. Les enfants métis concernant l'apparence qu'ils devraient avoir. L'enfant métis qui est valorisé dans les réseaux sociaux, ben c'est quand même l'enfant qui ressemble le plus possible au blanc. Et quand l'enfant ne matche pas cette réalité, ça va être difficile. Un colorisme qui, selon Fania Noël, va même pousser les personnes qui en sont victimes à vouloir donner naissance à des enfants métis. Le racisme. Oui, mais ça, c'est une logique typiquement féminine qui consiste à essayer de réconcilier l'irréconciliable, en l'occurrence, vouloir un enfant métis parce que c'est faire montre de son ouverture d'esprit, de sa disponibilité, voire même de sa sensualité, hein, parce que ça sous-entend qu'on a rencontré son partenaire dans un club de salsa cubaine. C'est un témoignage socialement valorisant de dire qu'on veut un bébé métis, mais quand même, on va augmenter la lumière sur les photos, sur les réseaux sociaux, on va le surexposer pour qu'il paraisse le plus blanc possible. Et alors, la cerise sur le gâteau, tu sais ce que c'est ? Non. C'est qu'il faudrait qu'il ait les yeux bleus. Voilà. Évidemment. Et là, si j'étais impudique, mais je ne le suis pas et je ne souhaite pas le devenir, j'ai une anecdote à ce sujet, très proche, très 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 proche, familiale. Je ne la raconterai pas parce que je n'ai pas l'autorisation de la personne et que moi, je ne suis pas comme ça. Mais si vous avez un QI à 3 chiffres et que vous savez un petit peu 2-3 trucs de ma vie, je vous laisse recombiner les morceaux et je vous laisse vous demander qui a bien pu vouloir un gamin métis avec une peau très claire et les yeux bleus. Je m'arrêterai là, mais je sais exactement de quoi on parle là. Le racisme intériorisé va se jouer dans le groupe noir, mais beaucoup moins dans le groupe blanc. Mais alors, c'est quand même possible d'avoir des enfants métis ? T'as remarqué qu'il n'y a pas un homme ? Il n'y a aucun homme. Donc elle parle d'homme. Mais il n'y a aucun blanc. Il y a Rodriguez, la mexicaine, et il n'y a que des noirs ouais. pour parler de quelque chose. Enfin, il y en a une qui est noire parce qu'elle a un turban et... Non, c'est Denise, et... c'est Denise. On montrera au montage Denise du Cosby Show. Mais c'est dingue, comme on ne parle pas, il ne s'agit pas des blancs. Et on va suspecter, si tu veux, le métissage et les enfants métis être une injonction des noirs à se blanchiser. Mais on ne va pas du tout imaginer que c'est aussi du racisme anti-blanc et que les blancs vont vouloir se métisser, avoir des enfants métis, parce que c'est plus à la mode d'être blanc. Et ça, je trouve que... il n'en est pas question. Bon, je ne sais pas. Moi, Agis plus. J'ai en ma présence le journaliste émérite d'un gros groupe de presse français. Peut-être a-t-il besoin de faire une pige, hein, parce qu'on sait qu'on vous êtes pas forcément super bien payé. Non, c'est clair. Tu peux confirmer ça d'ailleurs, Oh, ça dépend. Non, moi, je travaille pour un média qui est assez généreux en la matière. Ah oui, ça va. T'as un salaire à 4 chiffres. Oui, j'ai un salaire à 4 chiffres et chaque pige, franchement. Qui commence par quel chiffre ? Un 4. Ah, quand même. Quand je bosse comme un dingue. Donc t'es pas au chômage ? Ah non, je suis pas au chômage. Peut-être avoir des enfants métis ? Il y a plein de personnes que je connais qui ont des enfants métis. Mais justement, c'était pas la quête de leur vie. Son échantillon, elle vient de le donner. Son échantillon, c'est pas des... C'est quelques personnes qu'elle connaît. Exactement. En fait, sa théorie s'étaye par l'échantillon de sa famille au Gabon, si tu veux. Ils sont extrêmement honnêtes, discutent du fait de tous les biais racistes
élever des enfants non blancs. Ça doit être sympa, les rencontres de famille, c'est discuter de tous les biais racistes de gens qui sont pas comme eux. Ah oui, exactement. Et c'est pas tribal du tout, ça, comme logique. Blanc dans une société raciste, ça implique un travail spécifique pour limiter à tout prix la manière dont la société va apprendre à ses enfants à quel point ils sont moins importants, moins désirables, que leur vie compte moins que celle des personnes blanches. Alors écoute, chérie Denise du Cosby Show, t'as devant toi un ex-bébé métis, devenu adulte métis. T'es resté métis alors ? Mais je sais, mais la barbe cache un peu désormais. On sait plus. Mais je t'assure, si tu veux, je vérifie, j'ai tous les attributs physiques du métis, hein, des pieds à la tête. D'accord. Et j'ai passé l'intégralité de ma vie, ou une grande partie de ma vie, en Europe de l'Ouest, et notamment dans le pays que tu vises, on imagine sans le citer, qui est la France, car bien sûr, tu t'exprimes sur AJ+, mais tu ne parles pas du pays qui te stipendie, c'est-à-dire le Qatar. On ne m'a jamais, je dis bien jamais, fait sentir que, ouvrez les guillemets, je cite, que ma vie compte moins ou que je suis moins désirable. Au contraire. On m'a toujours expliqué, depuis mes profs d'école primaire jusqu'à désormais les gens qui me contactent, etc., que c'est à l'époque une singularité, maintenant ça ne l'est plus, c'est quasiment la norme, on le sait, mais que c'est merveilleux, que c'est le cacao, que c'est la chaleur, que c'est ci, que c'est ça, et en plus... Ouais, je sais, c'est con de dire ça, hein. C'est ce que j'ai entendu me concernant toute ma vie. Hein. Thomas, elle est exotique. Quoi ? J'ai une noix de coco dans le cul ? Qu'est-ce que j'ai ? Comme j'ai le bien des deux côtés, c'est-à-dire que je m'exprime bien, je propre sur moi, je sens bon, je puisse repasser, etc. C'était des réflexions du genre « Ah, mais Stella, t'es trop une bounty et tout. » Je comprenais pas ce que ça voulait dire, ce moment, j'ai dit « genre une bounty, genre c'est quoi et tout. » Et en gros, c'est le fait d'être blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. Et tu veux, je n'ai jamais entrevu ou deviné l'ombre d'une insinuation que je serais de seconde classe, tu vois. Sauf d'une toute, toute petite communauté d'élus. Faut le savoir, hein, voilà. Mais à part ça, normalement, je ne sais pas où se profèrent ces injures, ces invectives, je ne sais pas où tu les as entendues, je ne sais pas quelles preuves tu as, mais on aimerait à un moment que tu nous expliques, Denise, où en France... tu as été traité comme une moins que rien en raison de ta couleur de peau. D'ailleurs, à l'écouter, elle me ferait presque douter de mon propre pays. Je suis en train de me dire, mais... Tu ne le reconnais pas. Je ne reconnais pas. Mmh. Et elle me ferait presque oublier que l'une des personnalités soi-disant préférées des Français, c'est Omar Sy, qu'on a des noirs dans toutes les publicités, les films, les journaux télévisés, enfin, je veux dire... Il y a dans l'équipe de France. Rappelle-toi, quand Harry Roselmack est arrivé aux 20h, qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs ? Je crois qu'il est il est dans une chaîne, il n'est pas sur LCP, non ? Mais c'est marrant parce que c'était vraiment la star de demain. Ouais. Et puis il a fondu, son influence, sa notoriété a fondu comme neige au soleil. Quand il est arrivé, absolument, enfin, ça a renforcé la cote du noir élégant, propre sur lui, sportif, etc., dans des proportions dingues. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais une copine prof de yoga qui s'appelait Audrey. Elle lui aurait fait un enfant sur le champ, quoi. Je veux dire, elle l'entrevoyait sur un écran, elle se tétanisait, quoi. Ouais. Et ça devait pas être la seule, tu vois. Ah non, bien sûr. Et ça, c'est valable même chez les sportifs, tu vois. Au judo, j'ai plus le nom du grand... Rien. Voilà. On a quand même plein d'athlètes, de sportifs, d'acteurs qui sont adulés, quoi. Mmh. Et même, d'ailleurs, si on... Fétichisé, pourrait-on dire. Fétichisé, carrément. Ça en devient suspect, en fait. Écoute, AJ+, à suivre au jour le jour, où nous emmène le Qatar, pourquoi retournement d'alliance, comme on disait à une époque, retournement de veste sur le métissage, qui tout à coup était le projet final et qui soudain devient finalement presque encombrant. C'est plus sur quel pied danser. Ouais, là vraiment, mais tu sais pourquoi tu sais pas sur quel pied danser ? Non. Parce que t'es un peu trop blanc. Ah bah voilà. Et les blancs, hein, c'est pas votre truc la danse. Non, non. Dégâts, les Amoukanga, Moudelé de Paris, ouais c'est bon, Tosa Awan à Paris, devant lycée d'Arago. Et les gens disent, Moudelé ne sait pas danser, Moudelé ne sait pas faire un ndombolo. Ah bon? Non, il dit ça. Non, attends, tu sais danser même. D'ailleurs, vi copine un ndombolo. Ah bon? Faut leur montrer. C'est parti, ouais. Ah, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le...
bah rien en fait, tu manques de talent. Non. C'est pour ça, on en revient au début, il faut que je trouve une épouse. Alors, si vous avez une épouse de teinte Pantone très très foncée, comment tu les aimes? Plutôt... Plutôt grande, fine, voilà. Toi, c'est dur, parce qu'il faut être... Ah bah j'ai ma petite Émilie, tiens j'en ai une comme ah, ça. Ah bah génial. Ouais, parfait. Alors, Émilie... Elle sait danser. Je sais pas. Alors, si vous êtes noire, ouais. Ébène, ouais. Grande et un peu Grace Jones, mais ouais, avec Grace plus Jones, de F. C'est pas mal. Voilà, Grace Jones, pas trop de muscles, quand même. Avec plus de F, eh bien, sachez que vous avez auprès de mon petit Arthur, un journaliste quand même avec un salaire correct, hein, 4 chiffres qui commencent par un 4, prêt à vous faire des enfants métis et à les élever dans un climat... On imagine, tu demanderas à AJ+, comment les élever. Voilà. Parce oui. que tu as besoin que des Qataris t'expliquent comment élever tes enfants. Ou alors je laisserai justement libre cours à mon épouse à ce moment-là. Je pense que là, je pourrais pas être voilà. embêté. Faites offre, hein, envoyez vos candidatures à 3 chiffres, @homeninfluence.com. Je répète, 3 chiffres, @homeninfluence.com. Oui, c'est l'adresse email pour toutes les candidatures, désormais, puisque quel que soit ce qu'on réclame, hein, un monteur, n'importe quoi, ouais. on veut toujours qu'il est inclus à 3 chiffres. Ouais. Donc l'adresse, c'est 3 chiffres @homeninfluence.com. Que vous soyez monteur avec un QI à 3 chiffres, que vous soyez noir, grande et mince pour faire des enfants avec Aurora, 3 chiffres ouais. @homeninfluence.com. On rigole bien en présence de tonton Stéphane, on aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts, plus approfondis et appliqués, bah, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part, au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un œil.